madame, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Présentez-vous. Je me nomme Dédé Atiobé Adéjé. Je suis la présidente nationale de UCF YWC Chicago. UCF, c'est Union Chrétienne Féminine. YWC, c'est Young Women Christian Association. Donc, UCF, c'est YWC Chicago. Mais pourquoi vous avez pensé à l'éducation de nos mamans qui n'ont pas eu la chance d'être... d'être à l'école. Aujourd'hui, on parle notamment de la violence faite aux femmes. Nous savons que ce sont des phénomènes qui se passent au foyer où nos mamans subissent des violences et à cause de leur manque d'autonomisation financière, à cause de leur incapacité à lire, à écrire, même à aider leurs enfants dans leurs tâches quotidiennes. On parle de l'éducation. Et donc c'est à cet effet que nous avons prononcé que ce serait bénéfique pour ces femmes d'être éduquées, au moins de savoir juste lire, écrire, pour pouvoir savoir comment faire les comptes, aider leurs enfants dans l'éducation et également être autonome, financièrement autonome. Parce qu'une fois qu'on sait écrire et lire, on peut générer des sources de revenus. Et là, on est autonome à tous égards. Donc voilà en fait la quintessence ou le bien fondé de ce projet. Nous voulons aider les femmes à lire, à écrire et à les aider à sortir de cette violence qui sont faites à l'égard des femmes. Oui, effectivement, aujourd'hui vous avez quand même eu l'appui de votre partenaire qui est venu de l'autre côté du pays du Rhin. Leur visite vous a fait quoi? Ça a été une joie immense d'accueillir les partenaires qui sont venus de l'Allemagne. Dans leurs propos, ils ont été agréablement surpris parce qu'ils ne s'attendaient pas à quelque chose d'aussi bon. Mais nous avons prouvé que la femme fait bien et peut bien faire. Et donc ça a été une joie pour nous d'accueillir les partenaires d'une part et d'autre part. Ça montre aux partenaires que vraiment le soutien, l'appui financier qu'ils nous ont accordé n'a pas été en vain. Cela a été utilisé à bon escient pour le bien-être de la femme, pour mettre la femme à l'avant. Vos difficultés. En termes de formation de nos femmes, de nos mamans. Ok, nous savons que nos femmes ou nos mamans ont plusieurs responsabilités. Et ça, les difficultés qu'on pourrait citer, c'est que par moment, elles pourraient ne pas venir au cours. Mais nous espérons que ces femmes comprennent la valeur de ce projet, qu'elles comprennent l'importance de l'éducation et ce que l'éducation peut leur apporter. Donc, ce n'est que crainte, il y a plus de peur que de crainte. Quel est votre objectif primordial? L'objectif primordial en termes de réussite de votre objectif. Ok. Notre objectif primordial, c'est premièrement sortir les femmes de la violence conjugale. Deuxièmement, aider les femmes à être autonomes. Troisièmement, aider les femmes à lire, à écrire, à comprendre. Non, merci. Je vous remercie.